Kin Live, magazine proche du quinois. Kin Live, la vie à Kin. Et maître, vous pouvez le dire en français? En français, bon, écoutez, l'audience d'hier, nous avons soulevé quelques exceptions. Inéliminabilité d'entrée de jeu. Essentiellement que la composition était irrégulière au regard de la loi qui organise les juridictions de l'ordre judiciaire. Ça, c'était la première exception. La deuxième exception, c'était l'inconstitutionnalité de l'ordonnance loi numéro 300 de 1964 qui réprime les offenses à chef d'État. Et il y avait une autre exception, c'était que nous avions aussi saisi la Cour constitutionnelle déjà par une action, une requête en inconstitutionnalité de la même loi. Encore que la même Cour constitutionnelle a été saisie à nouveau en interprétation de sa première œuvre sur la contestation qui a porté sur la constitutionnalité de la loi sur les infractions flagrantes. La Cour est venue nous répondre. Elle a dit que sa composition est régulière. Convaincu ou pas, ça se pose à nous parce que ici, elle tranche en premier et dernier ressort. Pour l'inconstitutionnalité, la Cour, bon, jusqu'ici, la procédure est respectée jusqu'ici, même si nous venons pour 10 heures et que les audiences commencent vers 17 heures avec peu de considération à l'égard du citoyen. Nous, on pensait que la justice devrait aussi avoir quelques respects envers les citoyens. On les appelait à 10 heures pour commencer à 14 heures, mais elle est respectée jusque-là, oui. Et la liberté provisoire, vous avez toujours insisté? Mais hier, la Cour a rejeté notre demande de liberté provisoire. La Cour l'a motivée à sa façon. Nous nous inclinons devant les arrêts de la Cour suprême de justice qui tranche en premier. Merci pour le soutien, merci. Merci, ça va. Merci.
ayant reçu cette exception, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, qui sera saisie bientôt, vide l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre la loi appelée à être appliquée à charge. On pourrait réellement à la composition de la Cour, et la Cour aujourd'hui est allée dans la logique de nos avocats, nous continuons à soutenir cette procédure, nous allons aller jusqu'au bout. Et nous sommes en train d'expérimenter le tas de droits. Nous faisons le pas, nous avançons et nous croyons que notre justice va se ressaisir et dire le droit comme il faut dans ce pays pour qu'enfin nous puissions croire en la justice dans notre pays. C'est son droit de réprimant au prince à chef d'État. Nous avions démontré en son temps hier que le président Kassavubu en 63 n'avait pas compétence de statuer par voie d'ordonnance. L'ayant fait sans habilitation, sans que 6 mois après le Parlement ait approuvé l'ordonnance loi, cette ordonnance est devenue caduque, sinon inconstitutionnelle parce qu'elle ne s'accommodait pas avec la loi fondamentale alors en vigueur au moment de sa prise. La Cour suprême ayant reçu cette exception, l'a jugée opportune, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait compétence avant d'aborder le fond. Donc le fond, ce n'est pas demain. Donc il restera en détention. Donc, à raison sur offense au chef de l'État, c'est une infraction dont les tenants ont été exprimés à travers une ordonnance-loi qui date pas d'aujourd'hui, de 1963 en particulier, mais dont nous estimons qu'elle n'a pas été prise dans les conditions respectant les lois en vigueur à l'époque. C'est-à-dire que cette ordonnance n'avait pas été ratifiée par le Parlement, et au surplus, le projet d'ordonnance lui-même, la proposition n'avait pas reçu le contre-saint d'un ministre, parce que, comme vous le savez, le président de la République à l'époque n'avait pas le pouvoir de prendre seul des dispositions légales. Et même dans les dispositions qui sont d'ordre réglementaire, il lui fallait le contre-saint d'un ministre. Ce qui n'a pas été fait, et nous estimons que cette tâche faite à la loi en son temps continue de l'affecter jusqu'à ce jour de manière telle qu'on ne peut pas faire usage de cette disposition légale aujourd'hui devant les juridictions. Et donc, comme c'est une matière importante qui touche à la liberté des personnes, nous avons estimé que cette loi ne peut pas trouver application aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons soulevé cette exception devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour de cassation, en demandant à la Cour de cassation de faire examiner d'emblée par la Cour constitutionnelle, la Chambre constitutionnelle faisant office de Cour constitutionnelle, cette matière. Et nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, les juges de la Cour de cassation nous ont donné raison sur ce plan et ont estimé qu'on ne pouvait pas statuer au fond sur la base de cette. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.